Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Défi d'entrepreneur dédiée 100% à l'entrepreneuriat. Nous sommes toujours à l'affût des événements entrepreneuriaux. Nous nous déplaçons partout et là, nous sommes du côté de Michel Dira pour la couverture de la formation sur le pitch elevator donnée par Graine de Manager, concours qui existe depuis l'an dernier. Nous allons découvrir avec vous qu'est-ce que c'est ce concours, qui a été les lauréats, comment cela se passe, comment on fait pour déposer son dossier pour concourir donc à Graine de Manager. Et c'est maintenant. Merci. Nous voilà, comme je vous l'ai bien dit, avec le coordinateur du concours Graine de Manager. C'est la deuxième édition pour cette année 2016. Nous allons découvrir M. César Tinga, coordinateur, qui va bien sûr nous édifier sur le concours Graine de Manager. Bonjour M. César Tinga. Bonjour. Heureuse de vous rencontrer dans Défi d'entrepreneur. Merci, merci de votre intérêt pour ce concours. Qu'est-ce que c'est Graine de Manager? Alors, Graine de Manager est un concours inter-établissement de projet d'entrepreneuriat. C'est un concours qui s'adresse cette année à 20 établissements d'enseignement supérieur. Et donc, chaque établissement est représenté par une équipe qui a pour responsabilité de relever donc, le défi de concevoir et développer un projet d'entrepreneuriat. Vous dites 20 établissements. Les 20 établissements sont choisis comment? Parce que je pense que dans la capitale de Libreville ou dans le pays, le Gabon, il y a plus de 20 établissements. Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Oui, il y a à peu près entre 40 et 50 établissements. Bien évidemment, nous faisons une sélection. Nous choisissons déjà des établissements qui sont présents depuis plus de 2 ans. Nous avons aussi un critère de sélection qui concerne la notoriété et la qualité des enseignements. On sait que là, c'est la seconde édition de Graine de Manager. La première édition, comment elle s'était déroulée? Qui a été le vainqueur? Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé? Alors, le concours est calé sur l'année académique. Donc, la première édition a eu lieu pendant l'année académique 2014-2015 sur la thématique du tourisme. Et le concours a une thématique qui est choisie de façon annuelle. Nous avons, sur la thématique du tourisme, voulu booster un peu ce secteur en apportant des idées nouvelles. Et donc, le concours s'est soldé le 3 juillet 2015 par la victoire de l'école EASY, l'Institut supérieur d'ingénierie, qui a proposé un projet de randonnée d'équitation dans la zone des parcs des hauts plateaux Batéké. D'accord. Quels sont les critères pour être gagnant ou d'abord pour être présélectionné dans le concours Graine de Manager? Alors, la phase finale se joue en plusieurs étapes. Il y a d'abord des éliminatoires. Ensuite, il y a des équipes. Les meilleures équipes sont qualifiées pour les demi-finales. Et là aussi, il y a un choix du jury qui est souverain, qui qualifie donc les équipes pour la finale. Et à la présentation ultime lors de cette finale, devant un jury de professionnels et de dirigeants du monde des affaires, donc les équipes doivent concourir et rivaliser de talent pour pouvoir être primées. À chaque émission, nous vous proposons le focus de la semaine. Et le focus cette semaine concerne nos jeunes maquilleuses. Ce sont des dames qui se déplacent, qui viennent chez vous vous maquiller. C'est un petit métier, comme on dit, mais un petit métier qui fait rentrer beaucoup d'argent. Et des jeunes filles de plus en plus talentueuses, avec beaucoup de passion, viennent chez vous pour vous rendre belles. On se retrouve juste après le focus. Elles sont jeunes et dynamiques, leur passion est de rendre les autres femmes belles. Elles sont leurs propres chefs, elles maquillent les mariés et toutes femmes voulant être belles et ne maîtrisant pas le make-up. Elles passent leur journée sur le net ou à regarder les derniers magazines pour dénicher les dernières astuces de maquillage du moment. Le make-up ayant eu une véritable révolution avec le fameux contouring qui rend les traits du visage plus fins et le layering qui tend à unifier le teint et le rend éclatant grâce au maquillage. Je me présente Rime Irène Marlène Benedicta. Jeune entrepreneur au Gabon, j'ai ouvert ma structure qui s'appelle Touch by Rime. Touch by Rime est une structure qui propose plusieurs services, notamment la coiffure et le make-up professionnel. Ce qui pousse des personnes à s'adresser à Touch by Rime, c'est parce qu'elles me sollicitent dans divers événements. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui me sollicitent uniquement pour la coiffure, des mariés et d'autres qui me sollicitent pour des make-up professionnels, voire les deux.
Lorsque ces dames voient de plus en plus mes publications sur ma page, elles sont nombreuses qui sont intéressées par ce que je fais et d'autres se demandent s'il ne s'agit pas des montages. Donc elles sont contraintes de se rendre chez moi pour tester et vérifier si et seulement si ces publications s'avèrent. Je ne dirais pas que je vis totalement du maquillage parce que je me lance à peine. Donc comme on le dit au quotidien, que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et c'est ce pourquoi je travaille dur pour atteindre mes objectifs. Si certaines ont une formation, d'autres le font juste par passion en ayant appris sur le tas, mais cela ne faisant pas d'elles des maquilleuses non professionnelles. Nous voilà de retour avec M. César Tinga. Cette fois-ci, on va peut-être aborder les thèmes depuis la première édition. Là, nous sommes à la seconde édition maintenant de Graines de Manager. Quels sont les différents thèmes abordés et comment vous les choisissez? Alors, Graines de Manager est une initiative de la Caisse des dépôts et consignations. Et à travers ce concours, donc, la Caisse des dépôts et consignations choisit d'impacter positivement un secteur de l'économie réelle. Donc nous avons commencé à apporter des réponses innovantes sur le secteur du tourisme. Et cette année, nous sommes sur la thématique du numérique parce que nous pensons qu'une véritable économie de services ne peut pas se développer sans le secteur du numérique. D'accord. Et cette fois-ci, là, on parle du numérique. Et quels vont être, comment on va dire, les critères justement pour juger de tel projet, par rapport à tel projet le meilleur, puisque là on parle du numérique et pour moi-même c'est assez quand même complexe. Quel axe vous avez pris dans le numérique? Alors ce qu'il faut préciser, c'est que la méthodologie de conception des projets est un modèle nouvelle génération d'entrepreneuriat. Nous focalisons d'abord sur la viabilité du modèle économique. Les équipes donc travaillent à s'assurer que les produits et les services qu'ils proposent répondent à un besoin qui est évident et qui est perceptible sur le marché. Et donc ils apportent une réponse à ces besoins en développant un projet qui est lié à la thématique du numérique. Ça peut être une application, ça peut être un système de paiement. Ok, merci Monsieur César Tinga. Je vais commencer à m'habituer à votre nom, c'est sûr. Chaque semaine, on découvre un mot de la semaine qui vous aide, vous chers entrepreneurs ou chers futurs entrepreneurs, à connaître tout le vocabulaire ou le jargon utile à la création d'entreprise. Cette fois-ci, le mot de la semaine va être « qu'est-ce que c'est ?» Attention, j'y vais tranquillement. Le bénéfice, tout court. Qu'est-ce que c'est le bénéfice quand on a investi, quand on a donné le capital? Qu'est-ce que c'est le bénéfice? Comment pouvez-vous le définir? On se retrouve juste après le mot de la semaine. Le bénéfice, c'est ce qu'on gagne quand on vend un article. Donc, tu peux vendre un article peut-être à 4 000. Les 1 000 francs qui sont en haut, c'est le bénéfice. Oui, c'est important. Parce que quand tu fais un business, il faut forcément que tu gagnes aussi parce que tu ne peux pas faire un business où tu ne gagnes pas. Donc le bénéfice, c'est le peu de ce qu'on gagne en haut. Le bénéfice pour moi, c'est... comment dirais-je avoir un plus, c'est ce qu'on investit. C'est pour moi, en fait, c'est le bénéfice. Avoir un plus, c'est ce qu'on investit. Je peux expliquer ça de quelle manière? Par exemple, quand on fait l'achat d'un article à 3 000 francs et puis on revend cet article à 5 000 francs, ça veut dire qu'on a réalisé un bénéfice de 2 000 francs. C'est dans ce contexte que c'est dans ce sens que je peux expliquer ce que c'est que le bénéfice. Le bénéfice, c'est quand tu es gagnant. Quand tu es gagnant dans une affaire, dans un deal, bien, dans une activité, c'est bon? Mon petit business là, de faire ça, c'est Dieu m'a donné. Même si j'ai vendu un à 1 000 francs, un jour je vais te gagner 15 000. Je dis merci à Dieu, je prie à Dieu, je dis merci. Ça c'est mon petit business que je fais. Voilà. Et oui, ça c'est quand même le bénéfice que je gagne dedans. Le bénéfice est un résultat comptable positif dégagé par une entreprise sur un exercice de 12 mois. Lorsque la différence entre les produits et les charges d'une société est positive, son résultat net affiche un bénéfice. Quand cette différence est négative, on parle de déficit ou de perte.
Le bénéfice ou le profit résulte de la constatation économique et ou monétaire pour une période donnée. La distinction entre le bénéfice et la valeur ajoutée réalisée par une entreprise est souvent mal comprise. Le bénéfice est en fait une partie de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée ou encore VA doit être redistribuée dans trois domaines. Les salariés, paiement des salaires, les apporteurs de capitaux, les administrations, impôts sur les bénéfices, taxes, cotisations sociales. Le reste, la valeur ajoutée non redistribuée, constitue le bénéfice indispensable aux futurs investissements. Monsieur Césaire Tsinga, cette fois-ci, on va vraiment s'apesantir sur la deuxième édition, puisque là, on y est complètement, ça a commencé depuis janvier. Quelles sont les différentes étapes jusqu'à la finale? Alors, il y a trois grandes phases dans le déroulé du concours. Il faut dire qu'avant le lancement qui a été fait le 20 janvier, nous avons une période de recrutement des équipes. Donc, nous faisons le tour des établissements pour leur expliquer et les motiver et motiver les étudiants à participer à ce concours. À la suite de quoi, les listes des équipes participantes sont adressées par les responsables des établissements. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le lancement du concours qui a eu lieu donc le 20 janvier 2016. Une fois que le lancement est effectué, nous prenons en charge les équipes, ces équipes de jeunes, et nous les formons à la démarche entrepreneuriale. Cette année, nous couvrons toutes les étapes de la démarche entrepreneuriale, donc en partant de la génération d'une idée innovante à la planification opérationnelle de leur projet d'entreprise. Et donc, nous avons organisé 7 sessions de formation. La première, en ce qui concerne la posture entrepreneuriale et comment générer une idée innovante. Nous avons ensuite attaqué les notions de business model et de business plan. Il est important pour les entrepreneurs de pouvoir définir des stratégies de commercialisation, des stratégies marketing. Ensuite, nous avons abordé les étapes et la méthodologie de l'étape et la méthodologie de l'étude de marché. Après quoi, nous revenons, parce que c'est une démarche itinérante, nous revenons au perfectionnement, à l'affinement du business model. Et cette dernière session donc, concerne la prise de parole, le fait de pouvoir présenter et valoriser justement tout le travail qui a été fait au préalable en pitchant. Ça fait partie du vocabulaire entrepreneurial, en pitchant donc, en présentant de façon orale et synthétique son projet d'entreprise pour donner à des investisseurs et en l'occurrence dans le cadre du concours aux membres du jury d'en savoir plus et de lire, de prendre connaissance du business plan dans son entièreté. Ok, merci Monsieur César Tsinga. Et justement à ce propos, nous sommes là en ce moment, Défi d'entrepreneur, c'est toujours l'événementiel, on tombe toujours à pic où il faut et quand il faut. Et nous sommes justement à la dernière formation de graines de manager qui va permettre aux jeunes inscrits, à ceux qui concourent, d'être prêts. C'est justement le speech, c'est ça. Et on va avoir non seulement les remarques, peut-être les satisfaits, pas satisfaits de la formation, mais aussi le formateur, Monsieur Piton, qui nous revient de France. Regardez les images, on se retrouvera juste après. Je trouve que les formations sont très intéressantes parce qu'elles nous permettent de faire le distinguo entre la théorie et la pratique. Et donc j'ai constaté que ce que on nous enseigne dans nos établissements et le monde réel de l'entrepreneuriat sont très différents et que pour être entrepreneur, il faut savoir foncer, il ne faut pas se décourager et tenir compte des risques. Parce que quand entreprendre, en fait, innover, c'est prendre des risques et il faut surtout minimiser les risques, donc c'est ça. DigiCamp. DigiCamp est un projet de mise en relation du monde professionnel et des jeunes à la recherche d'emploi. Nous nous spécialisons dans l'orientation des jeunes du point de vue scolaire, mais aussi nous prenons en compte les personnes à la recherche d'une nouvelle formation, donc en réascension professionnelle. Ici, l'objectif de notre formation, bien sûr, nous l'avons pris en compte dans le cas de Grand Manager qui nous accompagnait jusqu'ici avec les formations de qualité, à juger à la différence de ce qui ont été les formations données l'année passée. Actuellement, nous vivons quotidiennement des nouvelles expériences, des nouveaux défis. Nous avons la capacité d'aller au-delà de ce que nous avons estimé d'ailleurs, avec des questions, des méthodes précises et des outils capables de nous amener au-delà de nos attentes. Quand une entreprise est en démarrage, le pitch, c'est la première façon qu'on a de montrer la valeur de cette entreprise aux yeux d'investisseurs, aux yeux de partenaires potentiels, aux yeux des médias. Pourquoi ? Parce que, par définition, cette entreprise qui est en démarche, elle n'a pas d'historique, elle a peu ou pas de clients, elle n'a pas forcément encore de réputation. Donc, comment elle peut montrer sa valeur aux yeux du monde ? Eh ben, c'est par le pitch,
Donc alors le pitch, qu'est-ce que c'est? C'est des formats qui sont variés, ça peut durer une minute, ça peut durer une heure. Mais c'est quelque chose qui est fait pour donner envie aux gens d'en savoir plus. C'est là que le pitch se différencie des présentations traditionnelles, au sens où une présentation traditionnelle, on va arriver puis on va relire des documents qu'on a écrits à l'avance, bon, ce qui parfois peut être un petit peu long, ce qui peut prendre beaucoup de temps, etc. etc. Le pitch, c'est quelque chose qui peut être plus scénarisé, qui peut mettre en œuvre des techniques d'écriture, de storytelling, qui vont permettre de mettre au point des formules, qui vont créer des moments de proximité, des moments de connivence entre les entrepreneurs et des investisseurs et des partenaires. De telle sorte que au moment où l'investisseur va penser à tel segment du marché, va penser à telle problématique, il va se souvenir de cette entreprise-là, parce qu'il aura vécu, grâce au pitch et grâce aux techniques de pitch, un moment particulier. Toujours au cœur donc de l'ambiance du côté donc de Michel Dira pour cette dernière formation organisée par Graines de Manager. Le zapping, vous connaissez cette rubrique, c'est la rubrique qui non seulement vous parle des événements liés à l'entrepreneuriat, mais aussi des entrepreneurs au Gabon, en Afrique et dans le monde qui se font la différence. Et cette fois-ci, réservée aux femmes, nous allons découvrir les 5 femmes du moment qui font très très mal dans l'entrepreneuriat, ces femmes d'affaires, c'est dans le zapping. À en croire le magazine Forbes, Isabel dos Santos est la première milliardaire africaine en dollars. Âgée d'à peine 40 ans, la princesse, fille du président angolais José Eduardo dos Santos, est considérée comme la femme la plus riche et puissante d'Afrique. Forbes a propulsé Isabel dos Santos au rang de première milliardaire africaine en dollars. Surnommée la princesse, Isabel dos Santos n'a pourtant pas volé son argent. Être riche à 40 ans, ce n'est pas donné, même lorsqu'on est la fille du président angolais José Eduardo dos Santos. Elle a dû gravir des échelons pour gagner son milliard de dollars. Isabel dos Santos a fait ses classes à Londres en génie électrique où vit sa mère Tatiana Kukanova. Ses débuts dans les affaires ont même été un fiasco, selon The Guardian, car la jeune dame a tout d'abord créé 2 entreprises, le premier dans la restauration et le second une société de collecte d'ordures. Ces 2 entreprises n'ayant pas brillé, la jeune dame ne s'est pas laissée faire. Elle a décidé de se battre et d'investir alors dans le secteur des télécommunications et du système financier. Sa fortune vient des actions qu'elle détient dans de grandes entreprises angolaises et surtout portugaises, dont 28% du conglomérat Zone, d'une valeur de 385 millions de dollars. Suzanne Mashibe, apprivoiser le ciel du rêve à la réalité. Après avoir fait la rencontre avec son rêve alors qu'elle n'a que 4 ans, la femme d'affaires aux multiples compétences dans l'aviation va s'accrocher pour en faire un métier et une source de notoriété et de fortune. La petite Tanzanienne, elle atteint à peine 1m60, est aujourd'hui reconnue comme la première femme dans son pays, la Tanzanie, à avoir obtenu 2 prestigieux certificats dans l'aviation. D'abord comme mécanicienne d'avion, plus tard comme pilote des lignes commerciales. Sa vie est une véritable leçon à donner à qui a des rêves. En effet, la patronne de la compagnie d'aviation d'affaires tanzanienne Via Aviation se présente comme une femme dynamique et énergétique. Pour elle, il est plus important de travailler, d'avoir de l'ambition et de se donner les moyens de les atteindre. La rencontre avec l'aviation s'est faite lorsqu'elle avait 4 ans. Elle est frappée d'admiration par ce grand appareil qui passe au-dessus de sa tête comme un oiseau. Dès lors, toutes ses recherches se concentrent autour de moyens pour devenir pilote. De l'admiration, la jeune femme passe de la fascination à la passion pour les avions. Pendant 5 ans, Suzanne Mashibe suit assidûment ses cours de pilote des vols commerciaux. Elle reste également très impliquée dans son travail d'entretien des avions. En 2002, elle est pilote commerciale. De retour au pays, elle loue un hangar à l'aéroport, puis fonde sa compagnie le 1er juillet 2013, Tanzanite Jet Center. Après avoir lancé son entreprise, la chance commence à tourner. La toute nouvelle patronne est recommandée par un ami depuis l'Afrique du Sud. Elle va s'occuper de l'avion personnel de Jacob Zuma. Tanzanite Jet Center, devenu entre-temps Via Aviation, a grandi son portefeuille de clients. Ils sont chefs d'État, monarques, célébrités, grands hommes d'affaires. De l'entreprise aux entreprises, grâce aux revenus générés, plus d'$1 million US de chiffre d'affaires annuel. Par sa première affaire, la pilote et mécanicienne d'avion fonde une nouvelle entreprise spécialisée dans la logistique, Kilimanjaro Aviation Logistics Center. Ce nouveau fleuron va très rapidement se distinguer dans son domaine au prix d'audace et de persévérance. En plus des vols privés des personnes célèbres comme Oprah Winfrey, elle a coordonné des vols de la campagne Ebola des Nations Unies et les vols des Air Force One du président Bush et Obama.
Maria Odido Di Fonzo. La première était un commerce de vêtements, la seconde, un video store, un restaurant a suivi, puis une compagnie d'assurance classée 9e en Ouganda, avec un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros et la seule à être dirigée par une femme. Il y a une agence de publicité, un cabinet immobilier, quand le prix du mètre carré s'est mis à grimper, et les autres. Des structures légères, toujours, développées avec un effectif réduit, gardées ou non en fonction des opportunités et des besoins du marché, Bee Natural Products, née en 2003 pour exploiter le miel du West Nile, est la dernière en date et non la moindre. Cette PME de 40 salariés produit déjà 80% du miel ougandais et exporte en Europe. Après son bac au Collège Polytechnique du Kenya, elle a trouvé un job de secrétaire, 48 heures plus tard, elle a décidé de démissionner. Ensuite, pour commencer à gagner sa vie à Nairobi, elle vendait des vêtements d'occasion achetés en Ouganda et voilà comment l'aventure de la femme d'affaires a commencé. Avec la création de plus de 5 entreprises qu'elle gère toute seule, sans associés. Diplômée d'un MBA à l'université de Scranton en Pennsylvanie aux États-Unis, en finance et marketing, Caroline Sark-Kendem fait ses armes au Cameroun dans l'audiovisuel en tant que directeur financier d'une entreprise de télévision. En 2003, elle décide de voler de ses propres ailes en créant une entreprise de confection textile tournée vers l'export. C'est ainsi que durant une dizaine d'années, elle s'aguerrit aux exigences du marché export et devient une figure dans le secteur du textile et de l'export. En 2011, elle se voit ainsi confier le poste de présidente de la Fédération textile du Cameroun. Elle y met en place des projets ambitieux tournés vers l'export qui lui permettront d'asseoir sa notoriété dans ce secteur. Fort de son expérience, elle est régulièrement sollicitée pour intervenir sur des sujets relatifs au développement économique de PED, au renforcement des capacités de structure, aux stratégies à l'export et aux accords commerciaux tels que l'AGOA. En 2013, elle travaille comme consultante internationale pour la compétitivité de filières coton textile et confection en zone CEAC pour le compte de l'ITC à Genève. Elle est citée comme success story par la African Women Entrepreneurship Program du département d'État américain. En 2012, elle crée Ligne Rouge pour continuer à accompagner les entreprises et les organismes dans leur développement et en 2013, lance Rouge Pépé, une ligne de lingerie haut de gamme. Folorun Sho Alakija, 63 ans, nigériane, cette simple secrétaire devenue créatrice de mode puis milliardaire, se trouve à la tête de la société pétrolière Famfa Oil. Avec sa griffe Supreme Stage, elle a longtemps habillé les femmes du pouvoir. Elle a été récompensée en 1993 par un cadeau des autorités sous forme de licence pétrolière sur un gisement offshore qui s'est ensuite avéré colossal. Elle serait la femme noire la plus riche du monde avant Oprah Winfrey puisqu'elle vaudrait 3,2 milliards de dollars. Selon la presse du Nigeria, au lieu des 600 millions que lui attribue le magazine Forbes. Monsieur César Tinga, peut-être un mot de fin aux jeunes entrepreneurs qui vous suivent dans l'émission Défi d'entrepreneur. Oui, alors la Caisse des dépôts, à travers ce concours, a voulu former cette cible précise qu'est que sont les étudiants entrepreneurs. Nous encourageons beaucoup les étudiants à entreprendre. C'est un débouché en termes d'auto-emploi. Nous pensons que la jeunesse doit être capable de se prendre en charge et de résoudre des problématiques économiques qui permettent à eux-mêmes aussi de générer de l'emploi et de la richesse. À travers ce concours, nous tenons en tout cas susciter des vocations. Beaucoup d'étudiants participent à ce concours, ne pensaient pas être entrepreneurs, mais aujourd'hui ont la vocation pour entreprendre. Et c'est une grande satisfaction pour nous et pour le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, M. Alain Ditona Moussavou. Donc les prochaines étapes, une fois que les formations sont finies, bien évidemment, nous allons nous retrouver le 25 mai pour la phase éliminatoire. Toutes les 20 équipes auront à présenter leur projet devant un jury constitué de personnalités du monde des affaires. Et à l'issue de cette phase éliminatoire, donc, il y aura l'étape de la grande finale qui aura lieu le 7 juin. Et donc, nous donnons rendez-vous à tous les fanatiques de l'entrepreneuriat donc, pour venir partager avec nous ce grand moment qui sera le point culminant de ce concours cette année. Merci, M. César Tinga. Et bien sûr, Défi d'entrepreneur sera là avec vous, sera toujours là pour vous accompagner.
accompagner, parce que c'est notre objectif premier, d'accompagner les entrepreneurs, ceux qui font la promotion de l'entrepreneuriat, ceux qui boostent l'entrepreneuriat au Gabon, en Afrique et dans le monde. Vous aussi, vous voulez faire partie de notre communauté, allez sur la page Facebook Défi d'entrepreneurs et likez. Appelez-nous, contactez. Les contacts apparaissent juste au bas de votre écran. Contactez-nous pour couvrir vos événements liés à l'entrepreneuriat ou vous faire connaître. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur la chaîne panafricaine Canal 7. Mélisse est habillée par eShop Gabon et maquillée par Makeup, Maze, Charme.